Voilà, bonjour. Désolé pour les 6 heures de ce matin qu'on n'a pas pu faire. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je crois que on pourra se rattraper pour les prochaines éditions. Mais vaut mieux tard que jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les membres de Facebook Church. Tu es de la Rema Facebook Church. You are welcome. All our members in our Facebook, our Rema Facebook Church. Et là, c'est notre ministère. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon. Que ton nom soit glorifié. Prends contrôle ce matin. Manifeste une grande grâce dans nos vies. Et donne-nous la grâce de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux de Jésus. Nous avons un très grand séminaire ici à Douala. Donc tous les habitants de Douala qui me regardent, quelles que soient les forteresses de l'ennemi contre ta vie et ta famille, ne manque pas parce que le Seigneur se manifestera avec puissance. Ce dimanche, j'ai expliqué à l'église que ce n'est pas un séminaire comme les autres. C'est une guerre. Venons mener une guerre contre les esprits maléfiques qui se sont attaqués au mariage dans la vie des enfants de Dieu et surtout des habitants de la ville de Douala. Parce qu'après cela, nous irons la semaine prochaine à Yaoundé. Donc, actuellement, je suis dans la ville de Douala et nous voulons nous attaquer dans ces fondements antiques, ces fondements que nos parents, nos aïeux n'ont pas pu renverser. Nous allons nous attaquer à ces fondements et je crois en Dieu. J'ai foi que le Seigneur nous accordera la grâce de terrasser ces démons de déception sentimentale. Et je leur disais à l'église que j'ai noté que il y a parmi les points cruciaux sur lesquels les chrétiens souffrent, c'est-à-dire après la nouvelle naissance, les grandes souffrances que les chrétiens doivent affronter, ça veut dire que, entre autres, hormis la pauvreté, par exemple, la pauvreté, c'est-à-dire qui se relève, qui se manifeste par le manque de succès, le mariage fait partie des domaines intouchés dans l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire des domaines, c'est-à-dire la vie sentimentale, que ce soit les célibataires, ils sont mal éduqués. C'est-à-dire que beaucoup de nos jeunes, que ce soit jeunes hommes ou jeunes femmes, ne sont pas bien éduqués, bien préparés pour le mariage. Et ça fait donc que lorsqu'ils se marient, le mariage est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Parce que dans nos églises, le plus souvent, nous sommes concentrés sur la vie éternelle, sur renverser la sorcellerie, etc., etc. Mais cependant, on ne prend pas assez de temps pour recycler la jeunesse, recycler les célibataires, recycler les mariés eux-mêmes, recycler les mariés eux-mêmes, ou bien encourager ceux qui naguère furent mariés, ça veut dire que les veuves, ou bien les divorcés, essayer de leur donner encore espoir pour leur dire que c'est possible, Dieu peut vous rebâtir, Dieu peut vous relever. Vous voyez, donc, c'est un domaine qui est très mal préparé dans l'Église aujourd'hui. C'est pour cela que je voudrais prendre du temps et continuer l'œuvre qu'on a commencée avec Momi Shalom et Kané pour préparer les gens et leur montrer qu'on peut être chrétien et être bien marié. Et il y a des forteresses maléfiques aussi et qui peuvent s'attaquer au mariage dans les familles. On peut prier jusqu'à être délivré et briser les malédictions familiales qui parlent contre la vie sentimentale des membres de notre famille. Donc, et faire un bon mariage. Et le mariage réussi est une réalité dont nous voulons travailler. Ce n'est pas seulement un séminaire, je vais enseigner, mais cependant aussi, je vais prier pour la délivrance de tous ceux qui seront présents. Et vous connaissez, on va poser un acte prophétique ensemble. Chacun va écrire avec un critère à l'appui tout ce qu'il attend de l'homme-ci ou bien de la femme-ci. Nous allons le faire et nous allons voir que ça marche avec Dieu. On a eu beaucoup de séminaires et beaucoup de maris aussi, beaucoup de malédictions liées au célibat qui ont été renversées et brisées. Donc nous voulons travailler là-dessus. Personnellement, je prends cet engagement à continuer à travailler dessus, à enseigner jusqu'à ce que ce que Dieu m'a fait vivre dans le mariage que j'ai eu à avoir puisse être votre partage, que la même grâce ou bien la double portion soit votre partage. Donc l'amour est vrai, l'amour existe, c'est vrai, mais il faut juste trouver la bonne personne. Et la bonne personne, ça peut être vous. Vous-même pouvez être la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas formé, alors vous pouvez être une mauvaise personne. Parfois, certaines personnes sont de mauvaises personnes, pas parce qu'au fond d'elles, elles sont mauvaises, mais juste parce qu'elles
Elles n'ont pas eu quelqu'un pour les orienter et partager avec elles le secret de leur mariage ou bien le secret du succès dans le mariage. Donc, il s'agit de te préparer spirituellement, de te préparer moralement, mentalement, caractériellement, comportementalement, te préparer sur le plan financier, comment il faut faire, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan physiologique, sur le plan physionomique, te préparer sur le plan moral et préparer ton esprit, ton âme et ton corps pour entrer dans un bon mariage, parce qu'un bon mariage, c'est une science. Le succès dans le mariage, c'est toute une science. C'est un ensemble de choses, un ensemble de lois qu'il faudrait connaître et connaître maîtriser, connaître les manipuler pour entrer, avant d'entrer dans le foyer. Donc, on a beaucoup de jeunes femmes, de belles femmes, etc., de beaux hommes, mais qui cependant ne sont pas prêts sur le plan du caractère et du comportement. On va t'apprendre ces choses-là. Tu vas poser tes questions. On va aussi parler de la sexualité. Ce qui est aussi important dans le mariage, la gestion de la sexualité. Vous voyez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont nés de nouveau et qui se marient et qui sont incapables, vous voyez, de mener une vie sexuelle épanouie. Et il y a tellement de doctrines contradictoires sur les pratiques sexuelles, vous voyez, toutes ces choses-là. Nous allons travailler là-dessus et je sais que Dieu nous aidera. Le Seigneur nous aidera. Donc, si vous êtes habitant de Douala, ne manquez pas. Ce mardi, à partir de 16h, mardi, mercredi, jeudi, c'est un grand séminaire sur le mariage, à partir de 16h. Après cela, nous partons à Yaoundé. Et nous aurons une introduction à ce grand séminaire, une introduction à ce grand séminaire, vendredi. Voilà, vendredi. Et c'est que le Seigneur se manifestera avec grâce et avec puissance. Donc, nous sommes dans le mois des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Garatawa, Inna, Bros, Merauzan. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Regardez, mes amis. Nous allons parler des exploits maritaux, ça veut dire des exploits dans le sens du mariage, de la vie sentimentale du chrétien, la santé, la vie sentimentale du chrétien, pour moi c'est très important, il faut regarder dedans. Parce que lorsqu'un chrétien n'est pas épanoui sur le plan sentimental, sa vie ne sera pas épanouie. C'est la même chose pour les hommes de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu n'est pas sexuellement épanoui dans son mariage, mes amis, il y aura désordre dans son onction à l'église. En tout cas pour ceux qui sont des observateurs indépendants internationaux, comme nous. C'est ça la vérité aussi aujourd'hui. Dieu a fait de moi un observateur international indépendant. Donc, pour ceux qui sont des observateurs internationaux indépendants, je vous dis la vérité. Lorsque vous voyez un homme de Dieu opérer, vous savez que celui-ci est heureux dans son mariage, mais celui-ci n'est pas heureux dans son mariage parce qu'automatiquement, il y a une réverbérance dans les conséquences. Il y aura une réverbérance dans vos actions, dans votre manière de faire le ministère. Donc, mais une personne qui est épanouie sur le plan marital, quand je dis sur le plan marital, ça va globaliser, ça va englober sur le plan de la sexualité, ça va englober le relationnel avec son conjoint, ça va englober, ça va toucher aussi les projets, le point de projet avec le conjoint, ça veut dire que les projets en santé ou bien malade. Donc, et tous ces points-là, ça va englober cela. Nous allons travailler toute cette semaine-ci, tous les matins à partir de 6 heures. Nous allons faire la lumière des Saintes Écritures en parlant sur le mariage, la vie sentimentale, la gestion de sa vie sentimentale, des pré-fiançailles aux fiançailles, au mariage, à l'après-mariage, au divorce ou bien à la mort de l'un des conjoints. Comment gérer tout cela? Qu'est-ce que la Bible dit sur cela? Comment les anciens avant nous ont géré toutes ces choses-là? Nous voulons nous concentrer sur ces points-là. Donc, partage la vidéo s'il te plaît. Toute cette semaine, ça sera très chaud. Partage cette vidéo. Invite tes amis, tes groupes, mets-la dans tous les groupes. Et je vais dire à tous mes enfants qui ont organisé, créé des groupes d'intercession pour moi. Oh, ça c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris une très bonne initiative. J'ai vu des groupes avec plus de 50 000 abonnés. Donc, partagez cette vidéo dans vos groupes. S'il vous plaît, vous qui êtes dans ce groupe, dans ce groupe-là, partagez ça à vos autres groupes. Invitez les gens et aussi, que c'est possible, autant que c'est possible, s'il vous plaît, continuer à faire ce travail. Et je vais appeler comme ça tous ceux qui ont une possibilité de pouvoir nous aider à améliorer notre page Facebook avec des montages, avec sur le plan de l'infographie, etc., etc. Ou bien qui ont des grands groupes. Vous êtes un moniteur d'un groupe. Alors, s'il vous plaît, vous gérez un groupe, s'il vous plaît, signalez-vous. Vous avez mon WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp et puis je vous donnerai un rendez-vous. Nous aurons une séance de travail. Donc, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de dire que le côté marital est un côté que nous n'avons pas touché. Car la Bible, quand vous lisez la Bible dans Somme 108, le verset 14, ou le Somme 60, le verset 14, la Bible dit la même chose. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc, c'est une grande force. C'est une grande parole. C'est une parole très puissante. Et nous allons voir les exploits dans le mariage, les exploits dans la vie sentimentale. Lorsque vous regardez la vie sentimentale de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est un chantier, un chantier lugubre, un chantier qui n'est pas encourageant, un chantier inachevé. Vous voyez, beaucoup de déceptions dans la vie sentimentale. Beaucoup de chrétiens ont eu de bonnes opportunités, des hommes très bien, des femmes très bien, mais cependant, ça n'a jamais abouti au mariage. Pourquoi? Parce que il y a eu des accidents comportementaux. Ça veut dire que des accidents de caractère. À un certain moment, l'homme, même s'il est une bonne personne, se rend compte que non, la fille s'est mal éduquée. Et, c'est-à-dire ne répond pas à mes critères. Ça veut dire qu'il n'y a pas emboîtement entre son esprit et mon esprit, entre nos rêves. Donc, automatiquement, le gars va disparaître sans te dire au revoir. Ouais, il y a des disparitions sans au revoir, quand il y a des disparitions avec au revoir. Donc, la même chose, un garçon peut avoir une fille, c'est une très belle fille, c'est une bonne femme, parce que le mariage n'est pas basé sur la beauté physique, quoique la beauté physique compte. Mais le mariage n'est pas basé sur la beauté physique. Donc, c'est sur la beauté comportementale. Ça, c'est le premier critère du mariage, la beauté comportementale. Et puis, la fille se rend compte que le gars, il est beau, c'est vrai, il a les moyens, c'est vrai. Tout le reste, là, c'est OK, c'est net. Mais cependant, sur le plan comportemental, il ne sied pas à ce que je veux. Donc, lorsqu'il n'y a pas, il n'y a pas vibration en phase, mais plutôt en opposition de phase ou bien en quadrature. Ben, ça, c'est la quadrature de phase, vous voyez. Ça, c'est la quadrature de phase. Ça, c'est vibration en phase. Et là, c'est en opposition de phase. Donc, lorsque la vibration n'est pas en phase, mais elle est en opposition de phase ou en quadrature de phase, alors il faut dire qu'en ce moment, le mariage ne peut pas être fait. Si vous, il peut être fait, mais vous ne serez pas heureux. Vous ne réussirez pas. Parce que pour être marié avec une personne, il faut avoir le même esprit avec la personne. Il faut avoir la même façon de penser avec la personne. Alors, vous voyez, c'est un peu ça le vrai mariage. Gamos. Le mot gamos, qui signifie mariage en français, venant du grec, qui veut dire en réalité, gamos signifie la fusion. Voilà tout ce que mariage veut dire en grec, la fusion. Donc, le mariage, c'est la capacité de fusionner. Fusion des esprits, fusion des âmes, fusion des pensées, fusion des rêves, fusion des projets. Vous regardez dans la même direction, vous êtes toujours d'accord sur les points majeurs. Parce qu'on ne peut pas être d'accord en tout dans un mariage. On ne peut pas être d'accord sur tous les points. Mais on est d'accord sur la majeure partie des choses, des questions. Ça fait que les points où vous n'êtes pas d'accord ne sont pas visibles. Ce n'est pas des points marqués. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la majorité du temps, vous êtes ensemble, vous êtes d'accord. Vous voyez. Donc, c'est important. Donc, si vous regardez que sur le plan comportemental, il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez essayer. Au lieu de fuir directement, au lieu de directement disparition, il faut essayer de voir si ce n'est pas un manque d'éducation. Vous voyez. Parce qu'il y a des comportements qui ne sont pas adéquats, mais qui ne sont pas non plus mauvais. Ça veut dire que le mal ne vient pas de l'âme ou de l'esprit. Parce qu'il y a un mal qui est planté dans l'âme, dont les racines vont jusqu'à l'âme et l'esprit. Ce genre de mal, de comportement, on ne peut pas changer cela. Mais si vous croisez quelqu'un, essayez d'abord de changer la personne. Si vous vous rendez compte que vraiment, ça ne fait pas l'affaire avec vous et que ça ne vous mènera pas où vous voulez aller et que vous comprenez que vous ne pourrez pas supporter. Parce que c'est ça le mariage. Le mariage, c'est la capacité d'évaluer les faiblesses de l'autre. Est-ce que je peux supporter cela? C'est la grande question qu'il faut poser quand vous rencontrez une personne. D'accord, voici ses faiblesses, voilà ses manquements. Est-ce que je peux supporter ces manquements? Est-ce que si nous vivons ensemble, je peux accepter vivre sous ce rythme-là avec la personne? Je pense que c'est les questions que je m'étais posées quand je me suis marié à Momi Shalom et Kane. Et je pense qu'elle aussi, c'est les questions qu'elle se posait. Et après avoir réussi à trouver des réponses à ces questions qui sont simples, mais dont l'enjeu dans le mariage est incontournable, alors automatiquement, moi j'ai trouvé que oui, je pouvais. Elle a trouvé oui aussi. On s'est marié. Donc, pour dire que le mariage, c'est très capital de se poser des questions comme celle-ci. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ces exploits doivent entrer dans le domaine du mariage, dans la vie sentimentale. Donc, je disais que les enfants de Dieu aujourd'hui connaissent beaucoup de déceptions sentimentales. Dans l'Église aujourd'hui, il y a tellement, c'est un domaine où on n'a pas réussi. Nous n'avons pas réussi. C'est le domaine où Dieu parle le plus, entre guillemets, maestro dixi. Et je pense que c'est Descartes, est-ce que c'est Descartes qui a dit? Il a dit, à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa manière. Parce que c'est Descartes qui a dit, c'est la philosophe. Donc on peut dire quoi? Dans l'Église, aujourd'hui, à un certain moment, il y a une certaine frénésie de Dieu a dit que tu es mon mari, Dieu a dit que tu es ma femme. Et puis, c'est devenu le mot-clé. Et les pentecôtistes sont dans les problèmes. Je vous dis la vérité, nous sommes dans les problèmes.
Sur 10 fois, nous disons que Dieu a dit, tu trouveras que 8 fois, Dieu n'a rien dit dedans. Le domaine marital, je n'ai jamais vu un de mes fils ou une de mes filles venir me dire, papa, j'ai vu tel homme, ou bien j'ai vu telle jeune dame, et puis mon cœur là, et mon cœur m'a dit que c'est le genre qu'il me faut. Tous me disent que Dieu a dit. Et c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Dieu ne parle pas, ne bavarde pas comme ça dans le domaine du mariage. Le domaine du mariage est un domaine de responsabilité. Quand vous regardez dès le début, il n'y a pas dans la Bible un modèle de mariage biblique où c'est Dieu qui est venu unir les deux. Non. En dehors de l'exemple de ce prophète à qui Dieu a dit va, je ne sais pas si c'était Amos, que va épouser la prostituée. Il ne lui a pas dit que c'est ta femme. Il lui a dit va la prendre pour exemple parce que Israël se prostitue et comme elle est prostituée, ça va aller. Donc c'était une typologie d'Israël. Donc c'était pour une acquaintance typologique. Vous voyez, ce n'était pas que c'est la femme de sa vie. Non, c'est une prophétie. Mais, bibliquement, il n'y a pas un modèle de mariage où l'homme est allé dire que Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Ça n'existe pas. Du début jusqu'à la fin de la Bible. Donc je ne sais pas où les enfants de Dieu de ce siècle sont allés tirer ce réma. Ou bien cet apocalypse. Et c'est un problème fondamental dans l'église aujourd'hui. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Et après, il divorce. Dieu m'a dit que... Donc Dieu avait menti. Donc Dieu s'était trompé. D'autres disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis, lorsque tu vas, il va entrer dans le détail, il va découvrir certaines choses sur le frère ou sur la soeur. Il va fuir. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et les échecs se multiplient. Non. Le mariage, ce n'est pas une histoire de Dieu a dit. Même Adam, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il n'a jamais dit à la femme que Dieu m'a dit que tu es ma femme, il a dit que Dieu te bénisse. Donc, le Seigneur te bénisse. Donc, j'étais en train de dire que le problème aujourd'hui, c'est que Dieu a dit que tu es ma femme, Dieu a dit que tu es mon mari. Et j'ai même assisté à des églises au début où, pendant le culte, un prophète se lève. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son mari, le frère Jacob, c'est ton mari. Mes amis, c'est un problème. C'est un problème sérieux. Dieu a dit que Jacob, c'est mon mari, ton mari. Et puis, on unissait les gens par prophétie. Non, le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, ce n'est pas la prophétie. Le mariage est une affaire charnelle. Le mariage est une affaire charnelle. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que le mariage finit avec la mort. Lorsque quelqu'un meurt, le mariage, ça veut dire que le mandat du mariage finit avec la mort. Quand ton conjoint meurt, officiellement, bibliquement, ton mariage finit parce que c'est charnel. Le mariage est charnel. Se fait entre deux personnes charnelles. Le mariage, ce n'est pas les esprits qui se marient. Non. Il faut une fusion d'esprits. Il faut une communion d'esprits. Mais les esprits ne se marient pas. Vous comprenez? Les esprits ne se marient pas. Non. Les esprits ne se marient pas. C'est les humains qui se marient. Donc, ça fait que lorsqu'un conjoint meurt, le mariage finit aussi. Bon, l'autre conjoint peut décider, ok, je veux me remarier, ou bien je veux rester fidèle à l'engagement du mariage, moi aussi jusqu'à ma mort, jusqu'à consommer mon mariage, jusqu'à la mort. Donc, c'est ça la vérité. Qu'on peut dire quoi? Dieu n'est pas impliqué à ma... C'est une chose terrestre, c'est-à-dire c'est charnel, c'est humain, consommons le temps de notre existence sur la terre. Après, nous retournons au ciel où il n'y a pas de mariage, vous voyez. Donc, le mariage a été donné aux hommes sur la terre pour remplir la parole qui dit « allez multiplier ». Cette prophétie-là, « allez multiplier, remplissez la terre et assujettissez-la ». C'est pour ça qu'on se marie. C'est-à-dire que pour que les rapports sexuels soient régulés, que les rapports sexuels soient faits dans une certaine discipline, dans un certain ordre, pour qu'il n'y ait pas de désordre dans la multiplication. Donc, Dieu, pour éviter la multiplication en désordre, a demandé, a donc imposé le mariage aux humains pour que la multiplication et la conquête de la terre puissent se faire dans une certaine discipline. Mais, quand la mort arrive, ce mandat de conquête est fini. C'est parce que tu ne conquiers plus la terre, tu retournes au Seigneur, à ton Créateur. Et donc là, tu vas à la maison, il n'y a plus de mariage là-bas. Là, nous sommes frères et sœurs, nous servons le Seigneur. Nous sommes des compagnons de combat et là-bas, nous habitons ensemble. Nous servons le Seigneur en le louant, en l'adorant d'éternité en éternité. Donc, et je veux encore expliquer ceci, le mariage n'est pas une affaire divine. C'est une affaire charnelle donnée aux hommes pour accomplir la partie de la parole qui nous demande de conquérir la terre et de l'assujettir. C'est ça le but du mariage, c'est-à-dire la pérennisation de l'espèce humaine et puis la subjugation de la terre, la soumission de la terre et puis la maîtrise, c'est-à-dire l'établissement de l'ordre sur la terre parce que Dieu nous a établis comme des dieux sur la terre pour dominer sur tout ce qui existe sur la terre. C'est pour ça qu'il y a eu mariage.
Donc s'il n'y avait pas eu la nécessité de multiplication, si on se multipliait par les yeux ou par un autre moyen, Dieu n'aurait pas établi le mariage. Donc le but du mariage, c'est quoi? Le but du mariage, hein, c'est d'accomplir la prophétie, la multiplication de la terre, de l'espèce humaine. Ça veut dire que la pérennisation de l'espèce humaine, c'est ça le but du mariage, de Dieu pour soumettre la terre. Et donc c'est ça le but principal du mariage. Et à l'intérieur maintenant, cela se fait par l'amour qui lie les conjoints, on s'aime, voilà, on s'adule, et puis on se défend l'un et l'autre, et puis on fusionne entre nous, etc., etc. Donc, c'est cela. S'il n'y avait pas eu le besoin de la pérennisation de l'espèce humaine, il n'y aurait pas eu besoin de procréation. Si on avait notre moyen, Dieu avait notre moyen pour nous multiplier sur la terre. Donc, il faut comprendre cela. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le mariage finit avec la mort. Vous comprenez? Le mariage prend fin avec la mort. Ce qui prouve que c'est quelque chose de charnel. Comme ma vie physique et terrestre, mon corps-ci prend fin avec la mort. Ça, son mandat est fini. Le mariage aussi prend fin avec la mort. Donc, ça montre que tout ce qui est charnel prend fin avec la mort physique. Or, ce qui est spirituel continue après la mort physique. Donc, pour vous aider à comprendre qu'on n'a pas besoin de dire que Dieu m'a dit que tu es mon mari, Dieu m'a dit que tu es ma femme, c'est Dieu qui m'a dit, tu dois m'accepter. Non, on n'a pas besoin de cela. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'aimer. Le mariage, c'est une histoire de cœur. Ton cœur doit aimer la personne. C'est une question de conviction. C'est ça que j'ai l'habitude de dire que si tu t'engages avec un homme ou avec une femme et que tu as le moindre doute, ne t'engage pas, ne te marie pas. Parce qu'un mariage basé sur le doute, mon ami, tu seras malheureux, vous ne savez pas. Le doute pendant les fiançailles est différent du doute pendant le mariage. Pendant le mariage, tu es déjà engagé. Et là, le doute, quand tu doutes de ton mari ou doutes de ta femme, mes amis, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Lorsque j'étais marié à Momi, je me souviens qu'on a traversé des moments compliqués. Voilà pourquoi pendant le séminaire, je vais vous partager des choses que je n'ai jamais partagées avec vous. On a traversé des moments très compliqués. Le genre de moment que si je doutais d'elle, mes amis, c'est qu'on se serait séparés. Ou si elle doutait de moi. Vous savez que nous qui sommes des personnalités publiques, elle et moi, on était des personnalités publiques. Et donc, ça posait un réel problème. En tant que personnalité publique, vous avez des attaques de toutes les parts. Les gens sont capables de dire n'importe quoi sur vous, d'inventer n'importe quoi sur vous, de créer n'importe quoi sur vous, de monter n'importe quel genre d'histoire sur vous. Donc, et ça fait que c'est dangereux. Quand tu veux épouser une personne, il faut aussi considérer le fait que ce soit, par exemple, un commerçant. Les commerçants ont leur lot de vie. Vous voyez, leur vie a une terminologie qui s'y est aux commerçants. Quand tu vas épouser peut-être une personnalité politique, c'est différent d'épouser un commerçant ou un homme d'affaires. Donc, il faut regarder l'aura de l'homme politique, l'homme que tu veux épouser, la femme que tu veux épouser. Si tu veux épouser un diplomate, mon ami, il y a une aura pour les diplomates. Il y a une terminologie pour les diplomates. Je parle de terminologie de la vie, hein, pas terminologie langagière. Non, je parle de la terminologie de la vie. Quand tu veux épouser un pasteur, c'est différent d'épouser un diplomate. C'est différent d'épouser un avocat. Il faut faire attention. Il faut considérer cela. La personne, ce qu'elle fait, sa profession, peut avoir un impact sur toi, sur votre vie maritale. Quand tu veux épouser une personnalité publique, mon ami, il faut faire attention. Personnalité publique, là, son aura aussi est très différente. Donc, il faut étudier tous ces paramètres et voir. Et si je vais accepter. J'ai rencontré, par exemple, de mes filles qui ont dit, papa, moi, je ne peux pas épouser un pasteur parce que vraiment, la vie, là, c'est compliqué. Et c'est bien. Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'elles évaluent, elles s'auto-évaluent, elles font une prise de conscience, elles se rendent compte que je ne peux pas, les réalités quotidiennes, là, je ne peux pas supporter. Donc, épouser un homme de Dieu qui est devenu un homme public, une personnalité publique, mon ami, si tu n'as pas le cœur, ne le fais pas. Je vous décourage même, les jeunes filles, je vous décourage, je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Si ton cœur n'a pas été touché, Dieu n'a pas transformé ton cœur vrai, tu ne pourras pas supporter, tu ne feras pas. À l'époque, je me souviens, Momi me disait que vraiment, mon mari, les filles qui te convoitent là, je te laisse seulement un jour avec elles. C'est même elles-mêmes qui vont me ramener. Ils vont me ramener en venant en courant que vas-y, reprends ton mari. Et c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il fallait une grande dose de patience et de maturité pour pouvoir être l'épouse d'un homme de Dieu qui est une personnalité publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de vie privée en tant que telle, vous voyez. Les gens veulent toujours savoir, il vit où, il fait quoi, il marche avec qui. Quand je vais dans les restaurants, mais c'est terrible. J'étais dans un magasin, je pense que c'était hier, non, avant-hier. Tu vois les gens murmurer, ah, c'est l'eau. Après, il y a une dame qui est venue, elle voulait me filmer.
Elle se lève le téléphone, comme ça, elle fait les photos, et après elle revient, elle fait elle me traverse. Elle prend son téléphone pour faire, elle fait comme ça, elle fait le selfie. Vous voyez? Donc elle fait comme ça, elle prend, et moi je suis là-bas au fond de son téléphone, là-bas derrière. Et elle fume, tchap tchap. Vous voyez? J'étais dans un restaurant hier encore, et là encore c'était, vous voyez? Donc c'est un peu compliqué. Donc épouser une personne, c'est regarder la carrière de la personne, la carrure spirituelle de la personne, la carrure humaine de la personne. Est-ce que, regardez, laissez-moi vous donner un secret. Je ne vais pas trop parler ce matin. Je ne parle pas trop. Demain, là, vous m'attendez. Regardez, s'il vous plaît, écoutez bien. Laissez, je vais vous donner un mystère. Après ça, je veux, j'arrête même ce matin-là. Tu as déjà la clé. Tu pars. Tu es béni. Je bénis ta journée. C'est fini. Mais écoute bien ce que je veux dire. Et demain, les habitants de Douala, je vous en prie, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes, je fais le direct comme ça, étant à Douala. Ne manque pas. Ça sera sur le séminaire, si là, après le départ de Momila, le séminaire, si sera dangereux. Non, non, ça sera très dangereux, je te dis la vérité. Prépare-toi. Donc, écoutez. Prépare-toi. Il y a une révélation qui vient là. Il y a un apocalypse qui est en train de devenir puissant. Hein? Je ne sais pas si tu vas comprendre ça. Donc, regardez. Chacun de nous a son univers. Bon, on peut prendre ça comme la mer. Vous voyez? On peut prendre ça comme la mer. Chacun a un univers. Chacun de nous a un monde. Son monde à lui, un univers à lui. Mais la grandeur de nos univers est différente. C'est-à-dire mon univers est différent de ton univers. Et quand tu veux épouser un homme ou une femme, il est importantissime de connaître son univers. De connaître les mesures de son univers, les contours de son univers. Parce que si tu ne le connais pas, tu peux épouser quelqu'un dont l'univers va avaler ton univers. Et là, ton mari ne réussira pas. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même une certaine ressemblance caractéristique sur le plan des critères de vos deux univers. Celui qui épouse quelqu'un dont l'univers est infini, infinitésimal, tandis que lui, son univers est, ça veut dire infiniment grand, tandis que toi, ton univers est infinitésimal, c'est-à-dire infiniment petit. Je te dis la vérité, il va écraser ton univers n'existera plus. Il va phagocyter ton univers. Voilà, c'est un peu comme le trou noir, il deviendra un trou noir pour toi. C'est-à-dire que les trous noirs sont tellement costauds que ça avale les planètes. Et vous savez aussi que lorsqu'une planète est très grande et qu'il y a des petites planètes à côté, la puissance de gravité de la grande planète va faire que les petites planètes sortent de leurs orbites et puis elle va avaler la petite planète. C'est la même chose. Je vous dis la vérité. La loi des planètes, là, c'est la loi des humains. Lorsque ton univers n'est pas assez fort que celui de la femme que tu veux épouser, cette femme va dominer chez toi. Tu deviendras son garçon de course. Quand vous voyez un homme devenir le garçon de course, d'une façon, c'est qu'il n'a pas maîtrisé l'univers de cette femme. L'univers de la femme est plus puissant. Son univers est plus grand. Il est plus vaste que l'univers de l'homme. Un homme ne doit pas épouser une femme dont l'univers est plus puissant que son univers. Et une femme ne doit pas épouser un homme. Et une femme doit épouser un homme dont l'univers est plus puissant que son univers, mais pas à l'exagération. L'univers doit être puissant dans la mesure du raisonnable. Je vais vous prêcher sur les univers, si vous voulez. Même mardi, on commence sur les univers, ou bien le matin, on fait sur les univers. Je vous dis la vérité. Je vous dis que c'est une science que, avant d'épouser Bomi, j'ai pris le temps de regarder. Vous savez que, laissez-moi encore dire ceci. Dieu m'a amené tellement loin que il y a des choses. Quand je vois parfois certains commentaires que les gens font sur ma page, je prie pour eux. Je ne réponds jamais à ça. Jamais. Je ne réponds jamais. C'est-à-dire que je vais sur une base simple. Je vais sur une base simple. Si vous venez sur notre page et vous insultez, vous êtes chrétien, vous insultez, ça prouve que vous n'êtes pas chrétien. Parce que la Bible dit que tu me porteras pour le propos injurieux contre ton prochain. C'est l'écriture. Donc, pour moi, quand quelqu'un insulte, ce n'est pas un chrétien. Je ne le considère pas comme un frère ou comme une soeur en Christ. Ce n'est pas une soeur, ce n'est pas un frère en Christ. La Bible, vous les reconnaissez à leurs fruits. Donc, nous vous bloquons. On vous signale, on vous bloque. On vous bannit même. On ne vous bloque pas, on vous bannit. Mais, si vous venez vous donner votre point de vue qui est contraire, mais dans le respect, le cycle respect d'autrui, parce que nous n'insultons personne ici, d'accord, on vous laisse. Écoute, maintenant que chacun lit, et puis ça va de la maturité de chacun. Ouais. Vous savez que. Et lorsque Momi est parti, et ça je veux parler à ceux qui ont perdu leur conjoint, le fait que je parle d'elle, ou bien je poste des vidéos d'elle, ou bien des photos d'elle, ou même que j'ai montré où elle a été enterrée, les gens ont dit n'importe quoi.
Des gens disent n'importe quoi. Avec certaines personnes, la majorité sont matures parce que tu ne peux pas rester ici là à m'écouter. Tu ne deviens pas un chrétien mature. Les choses sont écrites. Il y a des commentaires que quand quelqu'un fait, en fait, tu te rends compte que ça, c'est un païen. C'est un païen chrétien. Parce qu'il y a les païens païens, il y a les païens chrétiens. Tu connais que ça, c'est un païen chrétien. Pourquoi? Parce que la personne ne lit pas la Bible. Je ne peux pas discuter avec une personne qui ne lit pas ce qui est écrit. Et j'ai dit que quand nous nous efforçons à faire des choses, nous le faisons et nous pouvons justifier bibliquement. C'est-à-dire, on peut montrer une traçabilité biblique. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que, déjà, quand vous regardez, par exemple, vous regardez dans les Saintes Écritures, les gens ont dit non. Là où j'ai enterré ma femme, là, c'est mauvais. Que non, vraiment, c'est le gaspillage. Elle est déjà morte. Donc, ça veut dire que comme elle est morte, il fallait aller l'enterrer dans la poubelle. Ouais. Donc, les gens réfléchissent comme toi, tu peux aller épouser, tu peux aller enterrer ton père ou ta mère dans une poubelle. Va le faire. Sincèrement. D'autres disent non, on pouvait prendre l'argent là, on fait l'argent, on a fait la sépulture avec pour aller faire aux pauvres, donner aux pauvres. Quand nous donnons aux pauvres là, vous nous avez félicité, non. Ce que nous avons fait pour les pauvres, vous avez fait quoi pour les pauvres? Rien, zéro. Ouais, c'est un peu ça notre génération. Les gens aiment parler sur ce qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Donc, en ce qui concerne la sépulture, vous savez que Jésus-Christ a été enterré dans un tombeau VIP. Là, c'est mon Seigneur, mon Sauveur. Ouais. Donc, moi, je crois que les gens doivent comprendre cela. Jésus n'a pas été jeté dans une poubelle. C'est dans un sépulcre taillé dans de la pierre, luxueux. C'est là, dans la tombe d'un riche, qu'il a été enterré. Et c'était écrit avant même qu'il soit enterré. Donc, on a honoré Jésus-Christ par une sépulture. C'est-à-dire que Joseph d'Arimathée l'a honoré. C'est biblique. Vous comprenez? Donc, quand Abraham a voulu enterrer Saraï, qu'est-ce que la Bible dit? Mon ami, il a dépensé des millions pour enterrer son épouse. Malgré qu'il ait eu d'autres épouses, lisez la Bible. Cette génération est analphabète spirituelle et biblique. La Bible dit qu'il a acheté. Il a acheté tout un terrain, tout un air, c'est-à-dire un vaste terrain. Il a aménagé ça. Et il a fait deux caveaux dedans. Parce que les Juifs, eux, l'enterrement, c'est les caveaux. On fait des caveaux. C'est-à-dire chaque famille a ses caveaux. C'est-à-dire on trouvait dans l'endroit, on aménage ça. Chez les rois d'Israël, il y avait même tout un quartier où on enterrait les rois. Donc, Abraham a aménagé son caveau. Il a aménagé pour sa femme. Donc, toutes les autres femmes qu'il épousait là, il leur disait que quand je vais mourir, mon caveau m'a tombé à côté de Sarah, ma femme. C'est elle que j'ai aimée. C'est la mère de mon fils, le fils de la promesse. Vous voyez. Et puis, c'est là, quand il est mort, on l'a ramené. Ishmaël et Isaac l'ont ramené dans le champ qu'il avait acheté au fils de Heth. Et là, on l'a enterré dans son caveau qu'il avait aménagé de son vivant. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention, frère. Et puis, non, elle est déjà morte. Ne parlez pas trop d'elle. Je ne cesserai jamais de parler d'elle. Parce que je connais ce que la Bible me dit de la mort du juste. Hein? La Bible dit dans Somme 112, verset 6. Car il ne chancelle jamais, parlant du juste. Car il ne chancelle jamais. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. La mémoire du juste dure toujours. Voilà ce que la Bible dit. Et quand vous lisez Proverbe 10, verset 7, qu'est-ce que la Bible dit de la mémoire des justes après leur mort? La mémoire du juste est en bénédiction. Mais les noms des méchants tombent en pourriture. Vous comprenez? La Bible dit que la mémoire du juste est bénie, même après sa mort. On en parle. C'est ça qu'on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de David, on parle de Daniel. Leur mémoire est en bénédiction parce qu'ils ont honoré Dieu pendant leur vie. Aujourd'hui, nous prions par rapport à eux, que Dieu nous donne ce qu'ils ont eu, que Dieu nous fasse réaliser même les 1/5 de ce qu'ils ont réalisé. Nous voulons juste un peu de bénédiction de Salomon. Pourquoi nous parlons de Salomon? C'est des personnes bénies, des personnes qui ont servi Dieu pendant leur existence. On parle de Daniel, on parle des apôtres, tout ça. Pourquoi? La Bible dit que la mémoire du juste n'est jamais oubliée. Donc, la mémoire de Mon Shalom ne sera jamais oubliée. On parlera d'elle. On ne peut pas effacer ça. C'est-à-dire que ses œuvres font qu'elle vive au milieu de nous. Sa justice fait qu'elle vive au milieu de nous. Sa persévérance, sa foi. Moi-même qui suis son mari, je prends beaucoup de leçons de la manière dont elle a travaillé. Elle a honoré Dieu. Elle a enduré la souffrance. Elle a enduré la maladie. Pendant 7 années de sa vie, je l'ai vue. Je suis la personne qui était le plus proche d'elle. La personne qui était dans son intimité. Je pense que les derniers mois, c'est moi qui la lavais. C'est moi qui la lavais, c'est moi qui l'habillais. Donc j'étais témoin
des paroles qui sortaient de sa bouche. Jamais elle n'a maudit Dieu. Jamais elle ne s'est plainte. Elle a pleuré, c'est vrai. Mais elle disait à la fin, Seigneur, si c'est ça que tu veux pour moi, gloire à toi. Elle lève la main et dit gloire à toi. Et ma prière, c'est que Dieu me donne cette grâce. Quoi que tu penses être endurant, il y a des situations où si tu n'es pas dedans et tu t'en es pas sorti, tu ne peux pas dire que si on me met dedans, je vais m'en sortir. C'est ça la vérité. Donc je suis prêt. Chaque fois que je me demande, ma fin sera comment? Est-ce que mon corps aussi sera attaqué jusqu'à ce point? Je veux me préparer à toute espèce de douleur, à tout ça. Quel que soit mon départ, je veux être préparé pour être juste comme elle, tirer des leçons de son courage. Et donc, c'est un peu cela. La Bible dit que la mémoire du juste doit être célébrée pour toujours. Mais le nom du méchant tombe en pourriture, pas le nom du juste. Allez lire la Bible. Allez vous éduquer, rééduquez-vous. Donc, apprenez à être sage parfois. Quand vous ne comprenez pas, posez des questions. Vous pouvez demander par exemple, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce comportement que vous avez eu. Et on va vous montrer, on vous donne un, deux versets bibliques, ça vous aide. Au lieu de venir exposer votre ignorance. Et puis vous ridiculiser en public. Je suis le genre d'homme de Dieu que pour parler de la Bible à côté de moi, il faut bien te préparer. Il faut bien te préparer. C'est-à-dire que pour venir m'attaquer sur les questions bibliques, il faut bien vous préparer d'abord. Prenez bien le temps. Tournez votre langue, vous retournez bien. Parce que moi, je dors avec la Bible. Je me réveille avec la Bible. Je marche avec la Bible. Je psalmodie la Bible tous les jours. Je sonde les Écritures tous les jours de ma vie. Et il y a des recommandations claires et propres que Dieu m'a données. Je ne suis pas un moindre adversaire à ce qu'on sait de doctrine biblique. Donc quand je fais le ministère, je fais beaucoup attention à ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons a une traçabilité biblique. Tout ce que nous faisons. Donc, pour vous résumer cela, mes amis, la mémoire du juste, la Bible dit qu'elle doit être honorée. La mémoire du juste, elle n'est jamais oubliée. Elle n'est pas bannie. Non, elle demeure éternellement. Mais le nom des méchants, la Bible dit que le nom des méchants tombe en pourriture. Comment voudriez-vous qu'on puisse faire en sorte que le nom d'un juste puisse tomber en pourriture? Parfois, les chrétiens, je me demande que ces chrétiens avec quel genre de Bible. Parfois, ce n'est pas la Bible, c'est peut-être. C'est des chrétiens, vous avez votre Bible à vous. Ou bien vous avez un autre Jésus que celui que nous connaissons. Non, il faut faire attention, mes amis. L'église d'aujourd'hui est analphabète. Les gens sont prétentieux, orgueilleux. Aucune humilité. Quelqu'un va se lever sur un sujet qu'il ne maîtrise pas et puis commence à envoyer des... Parfois, je lis, quand je regarde Facebook, je regarde les commentaires, je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Vraiment, tu m'as appelé d'un travail qui est compliqué, hein? C'est compliqué. Les chrétiens, la plupart, les problèmes, les gens ne lisent pas. J'ai demandé à quelqu'un hier, mon ami, tu fais une demi-journée sur Facebook, tu n'as pas lu ta Bible. Tout un week-end, tu ne lis pas ta Bible. Mais sincèrement, tu seras donc un genre de chrétien. Quand il y aura les combats, quand tu feras face à l'adversité, tu vas te défendre avec quelle arme? Voici ça le problème aujourd'hui. Donc, mes amis, que Dieu nous aide à comprendre le christianisme, le vrai, le christianisme biblique, celui qui est écrit. C'est important, le christianisme basé sur les Écritures, les saintes Écritures et la bonne interprétation des saintes Écritures. Donc c'est ça, il faut que les gens comprennent cela. Si nous le comprenons, mes amis, nous serons bénis. Je vous dis la vérité, nous serons extrêmement bénis, on sera bénis. Vous savez le tombeau de Jésus, vous savez ce qui a été fait? La Bible dit que le dimanche matin, les dames allaient avec des gerbes de fleurs, des aromates. Et des parfums. Vous savez combien ça coûtait pour aller embaumer le corps de Jésus? C'est que moi, je n'ai pas offert à momie. C'est ça la vérité. On est allé pour l'embaumer. Ça veut dire qu'on va avec les aromates, les fleurs. On va avec des parfums. On va pour le laver après sa mort. C'est ça. On honorait son corps. Le corps des justes doit être honoré. Il ne doit pas être profané. Il faut comprendre cela. Ça, c'est ce que la Bible nous a enseigné. La mort, tout le monde mourra. Mais la mémoire des justes ne peut pas être effacée. On ne peut pas oublier le nom des justes à cause de leurs actes devant Dieu. Même Dieu veille à ce qu'ils soient honorés. Sinon, la Bible n'existerait pas. C'est-à-dire que toute la mémoire, ce qui nous sauve aujourd'hui, on lit la Bible là. Tout ça, c'est les mémoires des hommes. Abraham, père d'abord, oh Dieu d'Abraham. Abraham est mort. Oh Dieu d'Isaac. Isaac est où? Il n'est pas enterré. Oh Dieu de David, David n'est-il pas enterré dans la cité des rois en Israël? Son tombeau n'est-il pas là-bas aujourd'hui? Il faut faire attention. Mais leur mémoire, ils sont vivants à cause de leurs œuvres, leur justice. Dieu pérennise leur mémoire au milieu de nous. Et nous vivons par leur vie. Nous vivons par leur mémoire. Leur mémoire nous donne la vie.
Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Donc, que Dieu te rende mature. Ça, c'est la page des hommes matures. Ça, c'est la page des érudits, des chrétiens qui travaillent, pas des paresseux. Pas des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, mais qui veulent vociférer, baragouiner, je ne sais pas, zozoter, ou bien, je ne sais pas trop quoi. Que Dieu nous aide, ok. Que Dieu nous aide. Je prie beaucoup pour l'église au Cameroun. Je vous dis la vérité, je pleure pour l'église au Cameroun. Je pleure pour les hommes de Dieu. Et j'ai dit une chose, je disais à une conférence des hommes de Dieu l'autre jour que, vous savez, lorsque vous lisez, je parlais avec un bishop, nous avons un homme de Dieu au Gabon qui est en train d'aller à la présidentielle, la prochaine présidentielle sera candidat. Et j'étais en train de causer avec lui, et puis je lui expliquais que pour moi à qui Dieu a imposé le grec et l'hébreu, vraiment quand j'entends un homme de Dieu prêcher, je vois parfois comment son église célèbre. Mais moi, je vois des erreurs et de grosses failles dans sa prédication. C'est-à-dire que des erreurs qu'il prend comme la révélation, et ça me fait mal. C'est ça la vérité. Ce n'est pas l'orgueil. Tu veux dire que je suis orgueilleux, c'est ton problème. Je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Donc, tu prends ta route, je prends la mienne. Tu veux ne me dire pas bonjour en route. No problemo. Mais je vais te dire ce qui est vrai. Lorsque vous êtes en face d'un homme à qui Dieu a fait grâce de comprendre un peu le grec et l'hébreu, là, c'est dangereux. Quand j'interprète la Bible devant une telle personne, c'est dangereux. Parce que le français a beaucoup trahi le grec. Donc la Bible en français, vraiment, je ne sais pas comment je vais l'évaluer. En ce qui concerne l'interprétation, la tradition là, nous a fait perdre au moins 30%. 30% de la pensée de Dieu, la Bible en français. Vous comprenez? Il y a tellement de choses que nous lisons en français, et puis la chose là, on va traduire ça littéralement, et ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça n'a rien à voir avec le grec. Vous voyez? Nous prenons, je donne un exemple de quelque chose qui est très répandu dans nos églises aujourd'hui. Lorsqu'un homme de Dieu prêche dans une église, tu attends, réma, réma, ça c'est le réma. C'est pas le réma. C'est pas ça le réma. Pourquoi? Parce qu'il a apporté une révélation, dans la parole, et on dit c'est le réma. Non, le grec ne dit pas réma. Là-bas c'est un apocalypse. On appelle l'apocalypseos et non rémati. Donc c'est un apocalypseos. Vous comprenez? C'est pas un réma là-bas. Le réma, c'est la parole que Dieu te dit, live. C'est ça, réma. C'est tout. C'est la parole dite de Dieu. C'est que Dieu te dit. Si Dieu te dit bonjour à toi directement, c'est ça qu'on appelle réma. C'est la parole. C'est un peu quand Dieu te parle de style direct. C'est ça qu'on appelle réma. Mais découvrir une vérité qui était cachée, ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas un réma, c'est une révélation. Mais réma, c'est pas, c'est-à-dire que c'est plutôt apocalypseos. Le mot révélation, c'est apocalypse. Donc, si tu veux dire qu'un homme de Dieu a apporté une révélation, il a découvert une vérité cachée pendant qu'il prêche et vous apporte cela, on doit dire apocalypseos. C'est-à-dire que c'est un apocalypse qui t'a apporté. Ce n'est pas un réma. Le réma, c'est lorsque je te rapporte la parole que Dieu m'a dite personnellement. C'est ça qu'on appelle réma. Donc voilà. Et il y a tellement de choses similaires dans les Saintes Écritures que quand tu lis en grec, tu lis en hébreu, quelqu'un va traduire. J'ai donné l'exemple de. La Bible explique que Saül était dans la caverne et il se réchauffait les pieds. Vous voyez, l'expression « il se réchauffait les pieds » et David est venu et puis il a coupé un bout de son pain. Non, il se réchauffait les pieds, c'est un euphémisme en hébreu qui signifie qu'il était en train de faire popo. Bon, maintenant le français ne dit pas qu'il faisait popo, donc c'est normal qu'un prédicateur qui ne connaît pas l'hébreu lise en disant que Saül était couvert parce qu'il faisait froid et de se couvrir les pieds pour que ses pieds ne gèlent pas. Oh, ce n'est pas ça en réalité. Il était en train de se mettre à l'aise. Donc, c'est autant de choses que quand quelqu'un maîtrise un peu le grec, un peu l'hébreu, ça ouvre l'esprit à comprendre les Écritures. Et ça fait que pour s'attaquer à une telle personne, il faut faire attention. Surtout lorsque tu ne maîtrises pas ces langues originales. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun problème. Nous allons servir le Seigneur. Nous sommes décidés, rien n'arrêtera. Donc, si vous êtes habitant de Douala, mon ami, même si tu ne veux pas te marier, parce qu'il y a des gens. Tu ne veux pas se marier, c'est normal. Mais dans ta famille, tu as quand même quelqu'un qui ne veut pas, à qui veut se marier, pardon. Donc, viens représenter la personne, intercède pour la personne, prie pour ta famille. Prions que Dieu nous donne le mariage. La Bible dit il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Dieu se soucie de ton mariage. Dieu veut que tu sois marié, madame. Dieu veut que tu sois marié, monsieur. Mais seulement Dieu veut que ce soit dans le Seigneur. Que tu épouses quelqu'un qui partage la même foi avec toi. Mais aujourd'hui, il y a tellement de désordre sentimental que
Non, sœur, j'ai dit à l'église que pardon, arrêtez d'abord le projet avec les blancs. On va arrêter ça. On va arranger ça demain. Arrêtez le projet. Oh, je veux épouser un blanc. Tu es une sœur en Christ, tu calcules épouser un blanc de 90 ans avec une bouche édentée. Maintenant, si on te donne un noir ici qui a 90 ans, tu vas l'épouser, tu vas dire, ich. C'est ça qui montre que tu n'aimes pas ce blanc. Si un papa de 90 ans, 60 ans même seulement vient, 50 ans même vient, tiens, regarde-moi le vieux là. Pourquoi tu vas donner marier un blanc qui a 90 ans, qui n'a plus de dents? Si c'est pas que tu sais qu'après un mois là, il va mourir et tu vas hériter. Parce qu'il est riche. Ça montre que tu n'es pas sérieuse. Tu es une soeur, mais tu es une frappeuse. Il y a les soeurs frappeuses. Hein. Elle te frappe là toi-même, tu te demandes que ça c'est encore comment. Donc il faut comprendre que Dieu est vivant. Le Seigneur est vivant. Nous devons nous appuyer sur ses promesses, sur sa parole et continuer à le servir. Donc nous aimons le Seigneur. Et nous servirons le Seigneur. Que quelqu'un soit d'accord ou pas, on s'en fout. Tu veux, tu te fasses, tu cales, tu sautes, tu cales en l'air. Vraiment, on s'en fout. Ça n'empêchera pas. C'est-à-dire que vous serez obligés de nous voir avancer avec Jésus. Vous serez obligés. C'est une punition que Dieu te donne. Tu es obligé. Tu vas suivre le prophète Canet Ferdinand. Tu verras les réalisations que Dieu est en train de faire. Tu vas pleurer, mourir de jalousie comme Nabal. Ton cœur deviendra dur comme sur le Nabal. Mais tu seras obligé de venir dans mes directs suivre. Ce n'est pas que tu veux venir, non. Parce que ça n'a aucun sens. Mais Dieu t'emmène pour dire, ok, je te punis. Tu seras témoin de son élévation. Tu seras témoin de comment j'honore Dieu. C'est ça la vérité. You will be obliged. It is your punishment. C'est ta punition. Tu es obligé. Parce que les gens se demandent souvent, non. Comment quelqu'un peut venir dans la page de quelqu'un d'autre pour l'insulter? Non, ce n'est pas que la personne veut venir. Dieu l'oblige, Dieu la tient par le cou comme ça. Que tu vas voir comment je l'honore. Tu vas voir comment je l'utilise. Plus tu insultes, on avance. Toi, tu vas go for before, go for back. La danse mafia. Il faut comprendre avec Dieu. C'est comme ça que Dieu punit nos ennemis. Tu seras obligé. Tu es obligé de voir. Tant que tu n'aimes pas, tu es quelqu'un, mais tu regardes, tu guettes quand même un peu là. Tu vois comment les églises sont en train de se multiplier. Tu guettes quand même. Tu vois la gloire de Dieu en train de se faire. Tu guettes, tu vois les choses, l'élévation. Le peuple que Dieu nous a confié, être béni. Tu vois comment on est épanoui. On est dans la joie. Tu insultes. On danse, on saute. Toi, la tristesse va te tuer. Tu es obligé. C'est une punition que Dieu te donne. Tu dépenses ton crédit. Tu dépenses ton temps. Tu dépenses tes doigts à écrire. C'est une punition. Dieu punira nos ennemis comme ça. C'est-à-dire qu'ils seront obligés d'être témoins de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Ça ne vient pas de nous. Je vous dis la vérité, ça ne veut pas dire non. Donc, je vais dire aux enfants de Dieu, à certains hommes de Dieu, non, non, tu ne peux pas dire aux gens, non, ne venez pas nous insulter. On a besoin de ces gens. Non, ils sont obligés. Ils sont obligés. Le Saint-Esprit va les forcer. Tu vas voir, reste, tu vas écouter. Il écoute là, la haine vient, la jalousie monte dans son cœur. Mais l'Esprit de Dieu dit que Yogosia, tu vas être obligé. On ne peut pas les appeler. Il va finir, il suit jusqu'à la fin. C'est ta punition. À cause de la jalousie, la haine, la prétention. Dieu te punit comme ça. Là où je suis en train de parler, hein, mes ennemis, vous êtes obligés. Le téléphone là, tu vas regarder, tu vas sur le direct. Tant que je ne clôture pas, ton doigt ne pourra pas aller appuyer sur zapper. Tu ne vas pas zapper. Tu vas me suivre jusqu'à la fin. Et tu vas écouter ce que je dis là jusqu'à la fin. Donc vous voyez, Dieu nous amènera très loin. Je vous dis la vérité. Dieu nous amènera loin. Il y a les gens qui ont dit non. Ah, oh, il a dit que Dieu l'a envoyé au Ghana. Voilà, il part. Il fuit, pas même. Je ne pars pas. Je ne pars pas. On va rester ensemble. Donc, oh non, il faut qu'il quitte vite, il quitte vite. Il faut prendre sa place. Tu ne prendras aucune place. I'm here. Je suis là-haut. We are together. Bro, on sera ensemble. Je ne pars pas, ne bouge pas. On va rester ensemble ici. C'est là obligé de voir ma tête. Donc, le jubilé, ceux qui ont jubilé là, vraiment, mes amis, vous avez jubilé pour rien. Hein? Je ne bouge pas. On va rester ensemble. Et vous comprenez là, ce matin, oh, le wadjo là, il doit partir laver le mouton là. Il lave plus le mouton. Ça fait 25 ans, moi, 27 ans qu'elle lave plus le mouton. Non? On est ensemble, on est ensemble, mon ami. Donc, si tu faisais dans mes valises, pardon, va remettre mes choses dans la penderie. Je ne pars plus. Je ne pars plus. On va rester. Je suis encore là. Donc, mes amis, tu vas m'aimer obligé, forcé.
Donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tous les célibataires, excusez-moi, je suis de bonne humeur ce matin, donc tous les célibataires, tous les mariés, tous les divorcés, tous les ex de Douala, venez, venez. Venez s'il vous plaît. Tu es là, tu bavardes, on ne connaît même pas où tu habites. On n'a jamais vu une épingle que ta foi a soulevée dans l'église. Non, frère. Dieu te punit. On va rester. Tu vas m'écouter. Je vous dis la vérité. C'est ce que j'ai dit. Je parle comme prophète. Vous serez obligés de suivre les hommes de Dieu établis dans cette nation. Votre jalousie, vous allez mourir de jalousie. Là, c'est ce qui va te finir. Mais tu seras obligé. Tu tiens le téléphone comme ça. Tu veux zapper, mais l'ange te dit que suis-le. Tu suis. Ça te fait mal, tu suis. C'est quand je dis au nom de Jésus, Amen. Toi-même, tu vas dire Amen, tu ne sais pas comment tu vas dire Amen. C'est là que tu vas aller voir quelque chose d'autre sur Facebook. Tu comprendras après, l'ange de l'éternel est en train de te punir à cause de ta jalousie, sincèrement. Quelqu'un ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez lui. Tu te préoccupes de sa vie, il a dormi comment, il a fait comment. Si ce n'est pas une punition, c'est quoi? Explique-moi. Si ce n'est pas une punition, c'est quoi? Il faut faire attention, c'est une punition. Moi, je ne peux pas faire ça. Que tu veux manger chez toi, tu ne veux pas manger. Je m'en fous éperdument de ça. Mais quand quelqu'un, tous les jours, m'en dirait, tu es même le premier, c'est même vous les premiers. Attends, ding ding. Ennemi, 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 ennemi. Ça dit que ça. Je ne me parle plus. Je me dis là, Agosté. Maintenant, je vais m'asseoir, mettre la fondation, mais je vais alors creuser maintenant bien. C'était le papa, en bas. Je mets la pierre maintenant. On reste au Cameroun ensemble. Je ne bouge pas haut. À nos go-go. We go die together here. Donc c'est ça, je bénis le Seigneur. Même si tu veux que je parte, mon ami, même si quand le temps de partir même va arriver, toi-même je vais t'attraper, on va aller en Ouganda là-bas. Toi-même tu vas déménager sans comprendre. Dieu va te punir. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance. Et Douala sera béni. Et Yaoundé, la semaine prochaine, la main de Dieu agira avec autorité et avec puissance. Je vous dis la vérité. La main de Dieu agira avec puissance et avec autorité. Et Dieu va libérer des mariages dans ces générations. Et l'église sera forte. Parce que vous savez que pour que la sanctification et la sainteté puissent être établies dans une église, il faut travailler sur la famille, sur le mariage. Les hommes doivent se marier, les femmes doivent être mariées. Et ça réduit l'impudicité, ça réduit l'impureté sexuelle dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important pour nous de travailler pour encourager les frères et les sœurs à se marier. À regarder comment est-ce qu'il faut faire pour travailler, pour s'améliorer et pour avoir un mariage heureux. Donc voilà, que Dieu te bénisse. Habitants de Douala, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes ensemble tous les soirs à 16h. Et Yaoundé, vendredi, atmosphère de miracle, ça sera puissant. Introduction au séminaire du mariage, on va prier, c'est la guerre. Et puis la semaine prochaine, le Seigneur se manifestera avec autorité et puissance. Je vous aime de tout mon cœur. Et que le Seigneur vous bénisse, que sa main forte soit sur vous et que sa grâce vous distingue en toutes choses. Que ta journée soit bénie. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs que j'aime extraordinairement. Bien, Seigneur, bénis-les, bénis leur journée. Seigneur, rends-nous prospères en longueur de cette journée. Et donne-nous d'être la tête et non la queue, d'être une ville située au sommet d'une montagne. Que la main de Dieu te distingue. Rendez-vous demain dès qu'il sera 6h. Que la gloire de Jésus-Christ soit avec toi au nom précieux de Christ notre Sauveur. Amen. Shalom, shalom, shalom.